vous souhaite la bienvenue sur la ferme Bagnole Merci. De Pommes. Merci. Avec mon associé Marie-Hélène donc, et moi-même, Ludovic, donc, nous cultivons essentiellement des pommiers à cidre et des poiriers à poirer. Voilà. Et on a également un élevage de moutons qui nous permet d'entretenir les vergers. Voilà, l'ensemble de ces productions est menée en agriculture biologique voilà, et nous permet de fabriquer du cidre, du poiré, du vinaigre de cidre. Je vous propose pour commencer de visiter le verger si ça vous intéresse. Bien sûr. Alors donc ici on a un verger qui date, qui a à peu près 20 ans, constitué uniquement de pommiers. Avec différentes catégories de variétés, des variétés amères, des variétés douces, des variétés acidulées, avec des pommiers qui alternent, c'est-à-dire qu'ils vont produire une année sur deux environ. Voilà, donc on doit nous faire en sorte d'avoir tous les ans gérer cette alternance et éventuellement la pénurie de pommes certaines années. Comme je disais tout à l'heure, le verger est mené en agriculture biologique, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun apport de synthèse. En fait, dans ce verger, tous les arbres sont issus d'une pépinière qui était chez mes parents. Hein. Et donc, avec mon père, on a fabriqué ces arbres de A à Z. Voilà. On a planté les premiers francs de semis, ensuite écussonné, et ensuite élevé pendant 5 ans les arbres, voilà, avant de les réimplanter ici dans ce verger. Alors, en fait, sur l'exploitation, on a deux types de vergers. On a des vergers dits bastiges, hein, c'est-à-dire la nouvelle génération qui existe depuis les années 80, en gros, hein, menée un peu comme les pommes de table. Donc ces vergers-là sont spécialisés, hein, on ne va pas y mettre d'animaux du tout. En agriculture biologique, on est sur un rendement de 20 à 25 tonnes par hectare. Et la deuxième forme de verger, ce sont les vergers dans lesquels vous êtes ici, sont des vergers dits haute tige, ce sont les vergers traditionnels, qui sont menés de cette façon depuis des siècles en fait, hein, et qui permettent en même temps d'avoir les animaux sous les arbres. Voilà. Donc une production mixte. À la fois l'élevage et à la fois la cidriculture avec les pommiers. Voilà. Ce qu'on va faire donc, c'est aussi réaliser des assemblages. Donc on va aller piocher dans nos quatre catégories de variétés. Là on va avoir 4, 5, 6, 7 variétés quelquefois dans un même cidre ou dans un même produit. Ouais. En fait on joue sur trois saveurs, le sucré, l'acidulé et l'amer. Alors là, je vais vous montrer un arbre qui a été greffé cette année, qu'on a coupé en biseau. On a coupé la tête de l'arbre, en fait. Hein, on a fait une fente et on a glissé le greffon dans cette fente. Voilà. Ensuite, masticage. On mastique pour que tout ça soit bien étanche. Et tout ça, cette opération-là, ça se pratique au mois d'avril. Voilà. Donc un mois après, vous allez avoir les premiers bourgeons. En général, vous avez trois bourgeons sur la greffe. Et donner voilà, les pousses qu'on voit là, qui vont donner la future cime de l'arbre. Le but de ça, c'est d'implanter les variétés qui nous intéressent. Parce que là, on est sur une variété qui n'est, en quelque part, qui n'est bonne que pour faire le tronc. D'accord. Qui ne nous intéresse que pour ça. Okay, d'accord. Ouais, ouais. Vous avez même une troisième variété qui est au sol. Donc le transfert, enfin le passage au tronc, c'est fait par écussonnage. C'est encore une autre technique. En fait, le principe de l'écussonnage, c'est que vous faites une fente verticale, une horizontale, hein, et on va glisser dedans de l'écorce avec un bourgeon, voilà, qu'on glisse dedans, tout simplement. Après, on va le gâturer. Donc, c'est ça qui se fait au mois d'août. Au printemps d'après, donc ce bourgeon, alimenté par la sève, hein, du porte-greffe en fait, ce bourgeon va débourrer, donner un nouveau rameau. Voilà. Et donc, le greffage, c'est ça. Hein. Donc, ça, c'est le porte-greffe, ça, c'est le greffon. Hein. On prélève un greffon avec trois yeux, trois bourgeons. Hein. Et donc, on va le mettre dedans et faire en sorte que les tissus, ici, se correspondent. Voilà. Et donc, c'est la sève également qui va alimenter le greffon. D'accord. Voilà. On met du mastic et on roule aussi. Hein, donc, ça, c'est au mois d'avril. Pour fabriquer les cidres et les poirées avec la maîtrise de la fermentation, où on va chercher à mesurer la densité pendant tout l'hiver. Jusqu'à la mise en bouteille, qui va se tenir de janvier-février jusqu'à mars-avril, hein, et qui va faire qu'on va obtenir soit nos cidres doux, demi-secs ou bruts, hein, en fonction de à quel moment on a stoppé la fermentation. En fait, c'est un cidre demi-sec, donc qui a encore un peu de sucrosité, comparativement à un cidre brut, par exemple.
Remarquez que la robe déjà est différente. On n'est plus sur une robe blanche. Voilà. On est plutôt sur le jaune doré. Hein. Voilà. En fait, il y a tout le côté sucré du mou en fait, qui est là, qui est toujours là, puisque c'est quand même assez riche le mou hein, en sucre. Hein. Ouais. Et puis plus l'alcool par-dessus. Donc, C'est vraiment important d'avoir la phase de vieillissement, là, de un minimum un an et demi, mais dans la réalité, nous, on est plutôt à 2 ans et demi, 3 ans de vieillissement, pour avoir ce qu'on appelle un fondu, en fait, hein, entre la partie mou, sucrée, et la partie alcoolisée. Ça irait très bien avec une tarte tatin, ça, par exemple. Oui, c'est vrai.